Dieu me dit qu'il est en train d'élever une prophétesse. Amen. Dieu est en train d'élever une prophétesse. Mais vous devez faire attention, vite, pour qu'elle vous l'a exposé. Amen. Alléluia. Comme la mère de Samson a été le catalogue, même avec le premier chat Samson, je viens vous relancer ma queue en tant que parent, parce que vous jouez. On a joué qu'il est condamné d'être en train d'élever une prophétesse, c'est-à-dire qu'il faut assoigner l'angle, assoigner l'âme, c'est maintenant notre mère. Dieu va aider une grande prophétesse dans cet enfant. Et Dieu est en train de me dire qu'elle est même excellente. Elle est tellement excellente que nous, on a ça et comme Toto Zahidi, ça nous a envoyé chaud, ça nous a bébé, ça nous a envoyé chaud. Mais cette fille, les choses comme on a exposé, combien nous l'amour, elle peut faire des grandes choses en bas âge. Amen. Donc c'est une fille à exposer devant le Seigneur et Samuel était un jeune enfant, on l'avait déposé chez le prophète Élie. Tu entends? Il avait écouté la voix de Dieu. Il faut être très attentif par tes rêves, tout ce que tu entends devant le Seigneur, même ne pas ce que Dieu ne t'a pas dit. Tu entends? Si Dieu te dit, tu sens que ça c'est une chose que tu sens que c'est le Seigneur qui est en train de te parler ou tu ne comprends pas bien, tu dis à papa ou à maman. Et où tu écris, tu entends? Tu entends? Parce que Dieu veut t'utiliser dès ta jeunesse. C'est possible, tu entends? Tu ne peux pas mentir ta bouche ici. S'il n'y a pas de vérité, ne dis rien. Tu entends? Si tu n'as pas vu, ne témoigne pas ce que tu n'as pas vu. Tu entends? Si on te dit, non, Olive, est-ce que tu n'as pas vu et que tu ne t'es pas témoin, dis que moi, je n'étais pas témoin. Parce que Dieu veut t'utiliser. Alors qu'il veut que tu sois disponible pour que tu utilises avec ta pureté et tout ça. Tu entends? Toi, ne te mêle pas dans des mensonges, dans des complots. Parce que tu es une servante que Dieu vient de choisir et une prophétesse qui va élever. Tu entends? Père éternel, nous prions pour Olive pendant ce temps. Seigneur, par la foi, loignons ces mains que tu vas utiliser pour la guérison des malades au nom du sang de Jésus-Christ. Merci parce que tu viens de loin de cet enfant, de le bas âge, parce que tu l'as fait avec Samuel, tu l'as fait avec d'autres, mon père et mon roi. Pourquoi pas avec elle qui va être, Seigneur, une étoile dans cette église, une étoile dans la maison. Mighty name.